Ici, nous sommes sur le chantier des Tours du Haut, les futures tours de gens nouvelles qui sont situées sur le secteur Brunezeau à Paris 13e. C'est un chantier qui représente 100 000 m3 de terrassement. Principal enjeu par rapport à ce chantier, c'est le planning, le respect du planning et la gestion de toute la coactivité qui se passe en fond de fouille pour le creusement des sous-sols. Les engins Liebherr représentent un bon pourcentage dans notre parc matériel Capocci. Nous utilisons différents types d'engins, les pelles rétro ou comme par exemple des pelles à câble ou des pelles télescopiques comme on peut percevoir derrière moi sur le chantier des Tours du Haut. Pour moi, les avantages de cette machine Liebherr, c'est qu'elle est souple, tout ça facilite le chargement. Les défis, il faut charger le plus vite possible, quoi, c'est tout. La 8050 que nous avons ici, équipée d'une flèche de 14 mètres et d'un godet de 3,5 m, nous permet d'atteindre les 700-800 m3 jour avec une consommation de 20 litres par heure, ce qui est quand même assez performant pour ce type de machine, ce qui permet de suivre parfaitement la cadence qui est menée par les tracks en fond de fouille. L'opération des Tours du Haut ressemble en plusieurs points à ce que nous allons rencontrer dans le cadre de la réalisation du terrassement du Grand Paris. En termes d'emprise, de planning, de contraintes et de coactivité, nous comptons bien sûr sur notre partenaire Liebherr pour relever ce challenge pour les années à venir.